Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi... Bonjour, les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est de la montagne, aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. Même si sa défense reste la priorité, on peut aussi penser à la victoire d'étape si les baroudeurs ne prennent pas trop d'avance. Bonne journée, les gars. Allez, on vise la gagne. Mesdames et messieurs, bienvenue au championnat du monde de cyclisme sur route disputé cette année à Côme, en Italie. Certains concurrents seront en terrain connu, le parcours empruntant les routes habituelles du Tour de Lombardie. Avec le Chiviglio à gravir 5 fois dans la partie finale, il ne fait aucun doute que le titre va se disputer entre les meilleurs grimpeurs présents. Les gars, la première boucle n'est pas très longue ni très difficile. Avec seulement 9 km, la côte va revenir très souvent et elle va finir par faire mal. Il y aura sûrement déjà des gars bien entamés au moment de débuter la seconde boucle, qui est beaucoup plus difficile avec l'ajout du Chiviglio. Bon championnat, les gars. La montagne ne lui fait pas peur. D'ailleurs, il tente déjà de s'enfuir. Ok. Attaquer. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. Ça pète à l'arrière du peloton. La journée va être longue pour les lâcher. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Premier passage par Monte Olimpino, une côte assez courte, seulement 1500 mètres, mais que les coureurs devront escalader 21 fois aujourd'hui. Il ne faut aucun doute que cette bosse va opérer un vrai travail d'usure tout au long de ce championnat. Parti en chasse-patate, il essaye de combler l'écart. La descente de Monte Olimpino n'est pas spécialement technique. Il n'empêche, celui qui l'abordera en tête lors du dernier tour prendra une sérieuse option sur le titre mondial puisque la ligne d'arrivée se situe seulement 3 km plus loin. Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Le premier tour est maintenant terminé, mais l'échappée matinale n'a pas encore réussi à prendre le large par rapport au peloton.
Les choses sérieuses commencent dans un kilomètre pour les hommes de tête avec la première ascension du Chevilly. C'est parti pour la première montée du Chevilly. 4 km 300 à un peu plus de 9% de pente moyenne. Les coureurs vont devoir l'escalader 5 fois avant l'arrivée. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Allez, plus vite. Allez, allez. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Excellent! Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. La descente est rapide. Elle ramènera les coureurs vers Côme et Monte Olimpino. C'est le moment du dernier ravitaillement pour la tête de course. Yeah.
Attention! On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Allez les gars, faut assurer le tempo pour défendre le maillot jaune. Voilà le classement du dernier grimpeur. Un puncheur et un bon grimpeur. Attention, c'est un jeune coureur à surveiller malgré sa faible pointe de vitesse.
On peut dire que c'est un pur grimpeur. Le Portugais Ruben Guerreiro est un coureur à surveiller sur les étapes de montagne. Une minute trente de retard sur la tête pour le maillot jaune. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Allez, courage les gars, allez plus vite. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Ça marche, je ravitaille. Bravo les gars! Vous êtes à 2 km du sommet, observe tes adversaires. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Go!
Et voici la dernière ascension de Monte Olimpino. Quelqu'un va-t-il réussir à faire la différence? L'ultime difficulté est désormais dans le dos des premiers coureurs. Personne n'a pu faire la différence. C'est donc au sprint que sera décerné le titre mondial. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Dernier kilomètre de ce championnat du monde. Mesdames et messieurs, voici le nouveau champion du monde! On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Ben O'Connor! Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée.
Bon, le podium, c'est bien.